Bonjour à tous, bienvenue sur le Baou, merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, présentation de la trottinette Dualtron Mini avec le Clémus. Il y a un vent de bâtard. Tu veux pas descendre de là, Yadjo? Mais j'ai regardé le gars qui me regardait bizarre là-bas. Tu veux pas descendre tout seul? Saute! Tu m'entends? Oui, je t'entends. Parfait, on va faire toute la vidéo comme ça. Est-ce que la personne peut venir s'il vous plaît? Merci. Pas de soucis, j'arrive. Non, il y a toute une zone de magasin là. Qui parie sur Orchestra? J'arrive pour le ticket. Non, c'est sérieux? Ouais. Comment tu fous la merde dans les magasins? C'est censé être ligne fermée, frère. N'importe quoi. Ça peut être n'importe où. Vu qu'il y a une portée de malade à tout moment, c'est même pas ici. Une portée de 10 km sur champ ouvert. Sauf que là, le problème, c'est qu'on est en hauteur, donc on capte tout sur 10 bornes. Et gros, j'ai envie. Donc, Dualtron Mini. Trottinette urbaine électrique. Ça va dans la terre, ça? Ouais, tu peux passer. Hein. Ça passe, il y a combien de garde au seuil? Au moins 10 cm de... Il y a un portable. Il y a 5 personnes qui sont passées en attendant que tu arrives, parce que là, il n'y a plus personne. Pas de soucis. Elle a tapé une barre, gros. Elle a tapé une barre. Donc ouais, petite Dualtron Mini chez Mini Motors. C'est une 13 mAh. C'est pas la dernière parce que c'est la simple freinage. Ça répartit sur les deux freinages en même temps. Un tambour à l'arrière. Il y a la 13 mAh, la 17,5 et la 19,5. Et en gros, ça c'est la plus basse, tu vois. Qui dit plus bas dit plus petite autonomie. 40 km ouais. D'autonomie. Mais tu fais jamais ce qui est indiqué dans tous les cas, en fonction du poids. En plus, là elle est débridée, donc tu fais encore moins. Celle-là elle est prédite pour 40 et tu fais, ouais, tu fais 30 avec. Bridée, hein. Débridée. Si tu as brune. Non, bah ouais, si tu débrides, bah de toute façon, après tu vas vite faire 25, hein. Et débridé, je pense, ouais, je fais 20, 22, tu vois. Ah, c'est déjà colère, parce que pour faire 20 bornes en ville... Si t'appuies tout le temps à fond, tu feras moins, un bon 15 km sûr, en étant tout le temps à fond. Quoi, en termes de prix, on est sur du combien, hein? 9, ça se trouve en solde à 1000 euros, vu que c'est la 13, c'est la plus petite. En général, elle est à 1002. Et moi, je l'ai acheté sur le bon coin, elle a 1600 km. Après, moi, j'ai bien fait 200, avec 200, 300 déjà. On a roulé quoi. On a roulé. On était à 650 et ouais, j'ai eu à 500. Donc en vrai, ça va. Par rapport aux trottes que tu trouves dans le magasin à 350 balles. Ouais, c'est des merguez. Ouais, après en vrai, c'est quali, hein, mais je pense que c'est une utilisation complètement différente. Ouais. Et puis comme tu peux voir, en plus, vu que c'est un moteur arrière, tu vas monter un trottoir, tu vas pas venir tirer sur la colonne, le machin. T'as juste à faire ça quand tu montes un trottoir. Bah, tu vois, c'est simple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est super intuitif à faire. Ouais, y a pas besoin de forcer pour quoi que ce soit. Toute la fourche et la potence, la colonne et tout, elle est complètement différente. Normalement, tu sais, c'est un axe comme ça, tout droit. Ouais, oui, c'est vrai que... Ouais, et là, du coup, elle vient chercher idéalement là, tu vois, et elle est reprise ici, en gros. Ça m'est arrivé sur d'autres trottes, là, sur la Urban Glide 100 XS. Pété, ça s'est dessoudé, la soudure de guidon, à force de monter des trottoirs, justement. Tu arrives dessus et tu prends un peu de bosse. Enfin, tu sais, c'est dynamique, c'est souple, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. En matériau, t'es sur quoi? C'est plastique ou c'est... ABS ou métal, ouais, c'est un truc comme ça. Il y a 2-3 finitions plastiques, mais franchement, ça va. Juste qu'il y a plein d'inconvénients de merde. C'est souvent ça qui doit bugger avec la flotte. Les LED qui bug de fou. Là, c'est juste de toucher les poignées. Après, je sais pas si c'est mes poignées à moi qui sont. Les poignées fragiles. Qui sont abîmées de fou. Je crois que c'est toi qui es en secours. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Du coup, je sais pas si c'est mes poignées à moi qui sont pourries. Tu vois, genre le juif, il a la même trotte. Le juif. En mieux. Parce que du coup elle est plus puissante, tu vois, sa batterie. Pareil, il a changé ses poignées parce que ça lui faisait des traces aussi. Et puis l'autre jour on a recroisé un mec qui en avait une aussi, mais lui elle était neuve et il avait les mains dégueulasses aussi à cause des poignées. Wow. Elle craque de fou. J'ai trouvé ça ultra souple pour le prix qu'elle vaut. En fait, il y a plein de trucs qui sont grave bizarres. Genre, tu vois, déjà moi c'est le craquement. Le craquement, genre, ça fait flipper. En gros, ça coûte 1000 balles, ça craque comme ça.
Mais alors, par contre, sinon, ça marche bien. Donc, il y a la colonne, il y a le fait, elle fait de la lumière partout, c'est joli. Mais par contre, la nuit, tu vois rien du tout. On peut mettre n'importe quelle couleur, donc ça, c'est cool. Ça a une vraie gueule. En vrai, la nuit, elle est vraiment stylée. Ouais. Mais par contre, avec deux feux comme ça, la nuit, tu vois aller jusqu'à là, tu vois. Ouais, tu vois jusqu'à là. À 2 mètres, quoi. 2-3 mètres. Ouais, mais du coup, c'est léger parce que débridé comme ça, là, on prend quoi? On prend 45 à 48. En descente, tu prends 50, tu vois, 50-55. Après, c'est parce que je fais 80 kilos aussi, peut-être, mais tu vois, je lui prends un peu plus que moi. Tu vois rien du tout. Du coup, le moindre creux, si ça tape un gros nid de poule, là, tu vois, ça pique un peu. Gros inconvénient, tu peux crever. J'ai jamais crevé avec toutes les trottes que j'ai eues avant, alors que ça fait 2 ans que je roule avec des trottes. Celle-là, j'arrive, première sortie que je fais avec, je crève. Il est pas HS quoi. C'est le même ça? Ouais, c'est celui-là. En fait, j'ai crevé et il y a une chambre arrière dedans. Okay. Par contre, point positif, de changer un pneu, c'est une galère. Mais sur cette trotte-là, c'est une dinguerie parce que normalement, tu vois, c'est hyper rigide un truc comme ça. Du coup, pour mettre la chambre arrière dedans et tout, c'est une galère à démonter le pneu. Alors que là, du coup, tu dévisses toutes les petites vis qu'il y a là. La jante, elle s'ouvre en deux. Du coup, en fait, ça fait comme ça. Hop, le moteur, il est de l'autre côté. La jante, elle s'ouvre en deux. Et du coup, ben, t'as juste à reposer ta chambre arrière dedans et puis remettre le pneu au milieu et puis hop, c'est bon. Inconvénient, tu peux pas mettre de pneus tubeless du coup. T'es obligé de mettre forcément une chambre arrière. Sinon, c'est pas mal. C'est propre quand même parce que ça a une allure vraiment scoot un peu. En point négatif, il y a la potence. Le fait qu'elle craque comme ça, du coup, la potence, ça crève facilement. Le capteur des LED, c'est de la merde. Et tu peux changer toutes les LED que tu veux, mais il capte rien. Déjà, il marche que sur le N là. Il faut être genre collé comme ça, tu vois. J'arrive même pas à le changer. Mais je pense que je dois pas le coup de main. C'est vraiment sur le N en général du côté droit. Tu vois, regarde. Oui. Là, ça a marché. Après, tu peux faire un peu tous les modes de couleurs que tu veux. Ouais, un petit problème de. Ouais, LED un peu. Là. Pareil, ça aussi, bah, tu regarderas, il y en a plein. Elle s'arrête là ou elle s'arrête là. Ouais, non, c'est joli. C'est super joli. Tu peux choisir l'intensité, la vitesse, tout ça. La nuit, ça rend bien. Ça rend bien. Pour l'avoir testé un petit peu et tout, je la retesterai après. Et en vrai, bah, je trouve ça quand même vachement encombrant, mais bon, moi, t'es sûr que ça t'emmène partout, c'est énorme, c'est un scooter le truc. Et puis même la vitesse où ça va, c'est quand même hallucinant. C'est une trottinette de ville, c'est quoi? C'est bridé à 25? Ouais, 25. Ouais, donc 25, bon, c'est bien pour s'éclater, je dis pas pour de la sécu, c'est cool, tu vois. C'est en soi, t'as pas besoin de faire des pointes, mais bon, quand tu veux un peu rigoler et puis grimper 2-3 trottoirs, bah, y a rien de mieux qu'avoir un peu de garde au sol. Je prends le prix par contre. Oui, et ben, justement, du coup, je reviens là-dessus. Moi, j'aurais pas acheté ça à 1000 balles par rapport à tous les défauts qu'il y a, et encore 1000 balles quand elle est en solde. Hein. Ouais. Ouais, parce que 1002, après, si tu prends l'autre 1004 et après l'autre 1006, et encore, c'est tout le temps la Dualtron Mini, tu vois. Donc, elle a 1600 ouais. km, ça, donc kilométrage. Ça, c'est le nombre de charges. Donc, elle a 129 charges. Elle a été chargée déjà 129 fois depuis tout le temps. Et ça, c'est l'ampérage de la batterie, donc ça, c'est hyper important parce que du coup, la batterie, on a le pourcentage, mais il faut pas suivre au pourcentage parce que si on n'a plus à fond, la batterie, elle descend très vite. Et en fait, le pourcentage, c'est juste que le voltage, il va diminuer et se remettre. En plus, c'est vachement large. Ouais, bah ça, c'est pratique aussi. Hein. Mettre deux pieds dessus. Ça, c'est reposant. Et surtout, et puis d'avoir ça à l'arrière, là, tu peux poser ton pied comme il faut dedans. Tu fais des roues, ça, c'est nickel. Oui, parce que ça lève. Hein. Ouais, ça lève bien. La couleur qu'il y a dedans, c'est la rigidité. Après, du coup, tu vois, moi, elle est plus ou moins rigide. Après, ça dépend aussi comment elle est fixée, mais... Tu peux les régler, ça, aussi, non? Bah, tu peux le changer, tu peux... Il y en a, ils enlèvent directement sous l'amortisseur, là. Tu sais, il y a une espèce de bâton noir, là. Ouais. Bah, il y en a, ils enlèvent ça directement, comme ça, avec les ressorts, donc c'est un peu plus... Wow, ça doit valdaguer, un peu, non? Ouais, mais après, tu peux en mettre des plus ou moins solides en fonction de la rigidité du truc. Là, on est sur 20 kg environ. Ouais, 21. 20 kg. Dans tous les cas, toutes les informations des Dualtron, elles sont toutes marquées en dessous. Si jamais t'en achètes une et que le gars est 17 mAh, tu vois, et que. Tu peux douiller parce que tu sais pas sur la batterie. Ouais. Et en dessous, c'est marqué, tu vois. 13, 52 volts, 13, tu vois. Ouais, t'as une limitation, 25 km/h de base. Ouais, celle-là, elle est assurée. Bon, après, sinon, ça va, c'est 2€ par mois. Après, ça revient. Après, c'est un débat, hein. Ça va revenir au fait que, bah, t'es en vélo, faut t'assurer, quoi. C'est complètement con. Ouais, moi, t'as pas de ceinture, c'est. Pas, ouais, c'est toujours bizarre. Tant d'axes la limitation là-dessus hein, pour l'instant. C'est un peu flou. Mais... Ça dépend aussi à combien tu vas aussi. Ça dépend à combien tu vas, où tu l'utilises, déjà tu t'en sers. Tu as toujours envie d'aller plus vite. À 25, après quand t'as plus de batterie, bah, tu vas plus qu'à 17. J'en ai une autre qui est à 35. Finalement, j'arrive là-dessus qui va 45, 55 en descente avec un peu de vent. T'es jamais satisfait de la vitesse 100%. T'as toujours envie de te dire, oh, ça peut aller plus vite. Du coup, vas-y, go. Là, boum, c'est une valise le truc. Non, c'est énervé. Hein. Et ouais, 22 kg, ça va, tu vois, tu le sens pas trop comme ça.
t'as de la place si tu veux mettre des sacs, de la caisse et tout, du matériel, tu vois. Ouais. Genre, est-ce qu'il existe maintenant, ils mettent beaucoup de sacs ou des trucs, tu peux mettre ton petit panier, tu vois, tu vas chercher ton pain. Pour l'hôtel, petite lampe des familles, vous pouvez mettre ce que vous voulez, c'est cool, c'est vachement large. Hein. En fonction de comment elle est chargée, c'est ce que je voulais te dire, elle répond plus ou moins bien. Mais quand tu refais une sortie, tu vois, bah je la recharge direct après moi. Mais normalement, t'es censé attendre un peu que la batterie, tu vois, elle refroidisse ou possible que ça vienne de ça, je sais pas. Avant celle-là, j'avais acheté la e-cross Pro. Ouais, e-cross Pro, c'est une Urban Glide. Et Non, je montrais ici la e-cross Pro. Ah oui, elle va apparaître là. Ouais. Un moteur de 600 watts, tu vois, il existe la e-cross Pro en 2x2. Je suis sûr qu'elle part plus fort que ça. Moins cher, ça coûtait 600 balles neuf. Je l'avais eu à 300 euros, je sais pas quoi. 3 vitesses. Ouais. Il y a deux mecs qui démarrent en 3. Ouais, mais en fait, ça revient au même. Allez, ciao. Oh, oh là. C'est horrible. Ouais, il y a moyen, ouais. Oh, le grand saut. Elle te fait un plongeon de 6 mètres, là. Mon Dieu. Regarde, mets-la en première, tu prends le même départ. Elle part tout aussi fort. Allô. Mais t'as vu, ça part exactement aussi vite. C'est après que ça vient, en fait. Elle est débridée. Du coup, en première, tu vas prendre 18, un truc comme ça. En deuxième, 30 à 35, tu vois, en fonction de ton poids. En troisième, bah, tu vas prendre 45 à 48. Oh, mon Dieu, mon Dieu. T'as vraiment failli s'éclater. En plus, c'est un peu... T'as vu, c'est un peu glissant cette matière là. Là-bas, frère. Frais de gamme, du haut de gamme, tu vois, t'as capté. Du coup, la distance de freinage, c'est gros, faut prévoir à l'avance avant de freiner avec c'est ça. Fou, hein, par contre. Voilà, voilà, les premières. Mais et gros, garde la main sur le frein. C'est un malade. Si t'enlèves la main sur le frein, genre tu vas t'enculer. Hein. Voilà, bon, ça demande un peu de maîtrise, mais ça lève tout seul. Par contre, quand vous achetez ça, commencez pas par lever, apprenez déjà à rouler avec, parce que c'est un engin à tuer. Notez à cela que vous pouvez la transformer en chariot de haute vitesse. Tu sens qu'il y a du vent là, je vais pas vite toi. Mais tu vois, tu sens qu'il y a full vent parce que genre là j'avais le vent dans la gueule, mais j'étais à 38. Oui. Il a failli s'enculer là-dedans. Si vous comptez acheter cette trottinette, prévoyez un petit SMIC ou un billet de 500 quoi. Mais sachez que ça vaut le coup, même s'il y a 2-3 petits inconvénients. C'est ultra plaisant, c'est plutôt costaud. Il y en a pas mal sur le bon coin pour 650. Bon les gens, cette petite vidéo... Qu'est-ce qu'il fait ? Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on vous répondra en commentaire. Si vous voulez des indications qu'on a oublié de vous donner, des caractéristiques techniques, on vous répondra en commentaire. Abonnez-vous, partagez, mettez un pouce. Bisous.